I could eat anything. Anything. Bah, on se lève. Alors, la dernière fois, on a loupé. La dernière fois, on a tiré, on a loupé le cerf. Ça, c'est tout ce qu'il faudra se rappeler. La vie, c'est nul. Bref. On est à 30.03. Ok, on est à 30.03, c'est pas mal. Alors... est-ce qu'on a été guéri? Non, on a toujours le risque des parasites, mais ça, ça va sûrement partir dans quelques heures, parce qu'on a déjà dormi, quoi, 9 heures et tout ça. Ça fait un moment qu'on a mangé l'autre, donc voilà, on devrait être bon. Donc, du coup, résultat des courses, notre petite sortie, là. On a 6 bois de chauffage, ça, c'est bien, c'est très très bien. On a 25 bois comme ça, c'est très bien. On a ça, on a ça... Et bah c'est très bien tout ça. Et on va en récupérer encore un peu plus parce qu'il fait pas assez jour. Parce que je vois rien. Voilà. Parce que je ne vois rien tout simplement. Qu'est-ce que... Porte cassée en métal, étagère en métal. Porte cassée en métal. Ok. Très bien. Ouais, la scie, il va falloir la réparer. Il va vraiment falloir la réparer maintenant. 17%. Le truc, c'est qu'on l'a pas mal utilisé pour récupérer les boyaux, la peau, tout ça, pour les carcasses qui étaient gelées. Alors, normalement, on n'a pas besoin de le faire, hein, d'utiliser la scie, par exemple. Mais si la carcasse est gelée, on est obligé, du coup. Ça, on est obligé. Oh, j'avais même pas vu, tu vois. La dernière fois qu'on est venu. Ça fait le caméléon, en fait, dans les choses qui sont par terre. On va le prendre. Ok. Ouais, 12%. Ouais, ouais, il va falloir réparer la scie. Je pense qu'on va faire encore un peu le tour, vite fait. Et ah, il faut dessiner par contre, je crois. Ah, il fait un peu froid par contre. On va se mettre là. Ok. What? Oh. Ok. Ok, personne n'a vu, hein. Ok, vous avez rien vu. Vous n'avez pas vu le fait que j'ai complètement loupé la porte d'entrée. Ça marche. Ça, on prend. On essaye de récupérer le plus de ressources possible. C'est pas grave si on est lourd. C'est pas très très grave. Mais on va rentrer chargé. Oh merde, t'es sérieux? Ah, ça me fait chier parce qu'on risque de perdre pas mal de vie en fait sur le chemin de retour. Ah, putain, merde. Yay! Yay! Et le truc, c'est qu'on peut pas trop rester là, on n'a pas vraiment de nourriture. Enfin, quand je dis on n'a pas vraiment de nourriture, on a toujours des trucs, mais... On va dire que c'est pas de la nourriture que je veux utiliser. Ah ah! Yes, on est bon. Bon, ben j'ai rien dit. Si on veut, on peut complètement rester encore une nuit ici. Y a zéro problème. Parfait. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a récupéré énormément de bois, honnêtement. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, j'avoue que c'est plutôt cool.
Quelle déception. Quelle déception. Bon bah, on part. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? On est déjà à la moitié du jour, il va falloir qu'on sprint pour la fatiguer un peu. Je pense qu'on va rentrer. Si on n'est pas méga méga loin, on devrait, quoique. Je sais pas si on va avoir froid le temps de rentrer. Si on arrive à se protéger un peu du vent. Alors je crois que ça c'est un bug qui est apparu depuis la dernière mise à jour. Parce que là il y a du vent. Là il y a complètement du vent, on est d'accord, il y a une tempête. Mais on n'entend rien. On entend strictement rien. Et je crois avoir vu des gens qui se plaignaient de ça. C'est embêtant parce que vu qu'on voit pas dans ce genre de jeu de survie là, on voit pas vraiment les dégâts qu'on se prend parce que bah, c'est dû avec le temps, avec le froid et tout ça. Si t'as juste du visuel sans le son, bah du coup, faudrait aller là-haut, là. Faudrait aller visiter. Bah, t'as pas vraiment l'impression en fait que t'es dans le froid et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas vraiment l'impression que tu souffres. Alors que, oui, là on est en train de perdre de la vie, on est en train de geler et tout, quoi. Un truc que j'aurais fait à l'époque, c'était me coller complètement à la paroi. Par contre, si on commence à monter, voilà, on a le risque de se péter une jambe. Ça, c'est vraiment handicapant. Enfin, je comprends après pourquoi ils l'ont fait, hein, mais c'est vrai que c'était un peu plus simple avant pour ça. C'est le seul truc qui a vraiment changé et qui change un peu mon gameplay à moi, personnellement. Ça change le gameplay, en fait. Faire vachement attention. Vous voyez tous les bouts de bois, on les avait ramassés ceux-là. Normalement. Tada! Ouh, on est rentré. Oh la vache, on est rentré à la maison et on a plein de bois. Ah, ça c'est vraiment cool. Voilà. Voilà. Oups, pardon. Voilà, regardez-moi ça. Ah, ça c'est bien ça, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir encore faire plein de viande. Si on veut faire plein d'eau, si on veut, voire même, d'abord on va réparer notre truc. Non mais j'en ai du métal. Voire même, bah, aller faire un couteau par exemple. Hein. Toujours ça en tête. Hein. Toujours ça en tête, hein. Okay, très bien. 87%, parfait. 87%. Le marteau, ça sera pour la forge, je crois, si je dis pas de conneries.
Marteau lourd, voilà, très bien. Le marteau, il a combien de pourcents? 100%, c'est parfait. Un peu des balles. Merde, je viens de jeter le truc. Ok, très bien. Très très bien. Ça du coup on n'a pas vraiment besoin, enfin on n'en a pas eu besoin en tout cas. On va le laisser là pour le moment. On a le tissu un peu en plus, en trop même. Très bien. Honnêtement, on est bingo. 4, 5, 6. 78%. On a des boyaux qui commencent à bien sécher. Ok. Elle est à moitié fatiguée. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là on peut rien faire. 3, ouais, non, on a que 2, il faut attendre la troisième. Les lapins par contre on a. On a 3 séchés les lapins. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Move c'est 4, on peut pas. Ça c'est 2, mais des bottes on en a des bonnes. Ça serait du gâchis d'enfer. Complètement du gâchis, donc il faut le pantalon, donc pas possible d'utiliser ça. Ah, je crois que le temps s'est calmé. Bah du coup on va repartir. Qu'est-ce que je vous dis, on va là, on va aller là. Il fait pas froid. Ok, on va aller à la chasse. Je vais prendre les dernières balles. Je vais prendre les dernières balles qui nous restent, les 3 là. Et on va aller à la chasse. Ok, let's go. Allez, go. Parti. Cela il fait pas froid, donc ça y est, on y va. On va voir si on peut récupérer la peau de cerf. Vous savez, le cerf qui s'était fait tuer par un loup il y a quelques jours. Donc on va faire ça. Enfin, on va voir déjà si on le trouve. On va voir si on le trouve le cerf. Si au fond on va pas le trouver. Tout se passe bien. Oh, et si on allait pêcher? Ah, mais elle est fatiguée. Elle est un peu fatiguée en fait. Est-ce que ça vaut le coup de pêcher maintenant? C'est ça que je veux dire. Est-ce que... Attendez, j'ai entendu un loup. Monte là. Attends, non, avec... non, je pense pas. Oh la vache. C'est bloqué là, ce con. Ellie, fais pas de conneries.
Bah là, ça vaudrait le coup en fait de prendre le. Le sac de couchage en fait. Ah là-haut! Là-haut, là-haut. Ok, ok, ok. Par contre, je sais pas si on peut passer par là. Ah! On a trouvé le loup. Est-ce que le cerf a disparu? Yes! Collègue de carcasse 3. Parfait. On va rentrer. J'ai peut-être en tête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est pour moi. Peut-être en tête d'aller dormir un moment qu'on rentre. Et après d'aller essayer de pêcher. Pendant la nuit en fait. S'il fait pas extrêmement froid. Là ça fait chier parce qu'on avait vraiment le beau temps mais bon. Enfin, le plus important, de toute façon, c'est de récupérer les carcasses et tout ça. Ce qui prend le plus de temps et ce qui est complètement explosé, en fait, c'est les carcasses. Ça dépend, bien sûr, où on tue les animaux, hein, mais voilà, le plus chiant, c'est de récupérer les carcasses. C'est de récupérer la viande, c'est de récupérer la peau, surtout. Les boyaux, après, c'est plus simple parce que vous pouvez tout simplement aller chasser des lapins. Donc les lapins, vous pouvez les prendre avec vous. Mais la peau, après, des loups et tout ça, c'est le plus important. Donc, là, on est bien. Là, on a encore quoi à gagner? On a 4 kilos de viande. Ça repousse ces trucs. On a encore 4 kilos de viande. Une couleur rose. Une peau. Donc, honnêtement, c'est cool. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment cool. Je pense qu'on va vraiment commencer à garder. Les calories assez hautes pour tout simplement manger, enfin être dans le bon. Mais bon, ah oui, alors je vais expliquer un truc aussi, un système un peu que moi je me fais. Alors, attendez d'abord, faut se vider un peu les popoches. Tac, 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 800. Ok. Alors, si on commence comme ça à manger tout le temps, par exemple, de la viande de carnivore, là, de prédateur, ce qui va se passer, c'est qu'on va souvent avoir donc 1% de malades, de risque de contamination, de risque de maladie. Et du coup, on va pas pouvoir manger quand on veut par rapport à cette viande-là. Ouais, vous me suivez pour le moment? On va pas pouvoir manger quand on veut. Donc du coup, il va falloir être sûr d'avoir de côté de la viande qui est normale, genre de cerf, la viande de cerf. Ouais, on va faire ça, dormir. On va voir, 10 heures, ça passe. Donc faut toujours être sûr d'avoir de la viande de cerf de côté si on commence en fait à spammer en fait cette viande-là. Parce que du coup, à des moments, en gros, ce qui va se passer, il faut que j'arrête de dire en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, vous allez vous retrouver genre fatigué. Et quand vous êtes fatigué, bah, vous avez besoin de manger.
avant de dormir. Et le problème, c'est que vous allez avoir le 1% de... Ah, attendez. S'il me faut un peu d'eau. Yes. Vous allez avoir donc le 1% et vous n'allez pas pouvoir remanger par-dessus. Et c'est là qu'il faut absolument de la viande saine, quoi. Pas facile à... Ah non, il fait froid maintenant. Fait chier. Ah, je déteste ce truc. Donc voilà. Il faut absolument faire attention à ça si on commence à spammer cette viande-là. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Honnêtement, je sais pas quoi faire. On pourrait faire du feu pour cuire, mais j'ai pas envie d'utiliser les allumettes parce qu'on a que 12. J'ai envie de... On le fera quand il y aura de la lumière, en fait. Tout simplement, on le fera quand il y aura de la lumière. Là, on peut rien crafter. On peut faire un matériel de pêche déjà, genre un seul. Ah oui, il faut regarder nos skills aussi, voir ce qu'on a gagné. Donc, collection de carcasses niveau 3. Délai de collection de viande, moins 25%. Vous pouvez collecter 50% des carcasses gelées à la main. Et gelée de... Délai, par contre, pardon, de collection de peau et de boyaux, moins 10%. Vraiment cool. Vraiment cool. On va bientôt avoir le fusil. Est-ce que notre fusil, il faut le réparer, enfin le nettoyer. 76%. Oh putain, trouver des trucs dans le noir, c'est top. C'est vraiment top. Vous avez une idée de quoi faire ? Parce que honnêtement, j'en ai pas. Je vois pas trop quoi faire. Ça augmente. C'est à quel niveau que ça augmente? Ça donne genre 5% au lieu de 4, parce que là c'est tout le temps 4. Yes, oh oui, ah évidemment. Parce que pourquoi ne pas avoir une tempête maintenant? C'est vrai que c'est beaucoup plus... Beaucoup mieux. Là on s'amuse, oh là là, fou, on s'amuse. On est à fond dedans, yay! Il fait moins froid. Tellement con de faire ça. C'était tellement idiot.
On va voir pour dormir une heure. Deux heures même. Ah, on est en pleine forme. Je voudrais juste qu'il fasse pas froid en fait. Comme tout à l'heure où on était. Genre il faisait que moins 5, un truc comme ça, ou même un peu moins. Même un peu plus, je veux dire. Enfin, c'est parce que c'est l'inverse. Mais et après, une fois qu'on est dans la petite cabane pour faire du feu, pardon, pour pêcher, bah du coup c'est moins 38. Mais tu te fous de moi? Je pense qu'il fait assez de jours pour qu'on lise. On va voir si on peut pas lire. Yes. So, so hungry. Alors, fais voir un peu. Ah ouais, un vrai temps de merde. Moins 17 alors qu'on est protégé du vent. Ouais, non, c'est bon. C'est un vrai temps de merde, c'est cool. On va peut-être pas utiliser les tiges de massette. On devrait utiliser la viande de cerf. On va pouvoir vraiment cuisiner à un moment ou un autre. Cuisiner, parce que je suis en train de faire ça. Créer notre pantalon. J'avoue, je tourne en rond parce que je sais pas trop quoi faire. Je pense qu'on va manger de la viande de cerf pour passer, pour lire en fait le livre. Honnêtement. Je crois qu'on va tout simplement faire ça. Ouh, il y a un effet super étrange. Moins 36. Je pense qu'on va pouvoir bientôt hein, partir. Non, on va tout manger, allez. Ce qu'on va faire, c'est que quand on aura fini avec les... de cuire les aliments, là, cuire les viandes et tout ça, et qu'on aura vraiment un très gros stock. Je pense qu'on va faire tout pour récupérer le plus de vie possible. C'est-à-dire rester à 100%. Et on prendra tout notre métal. On a combien de métal de réserve? On n'a pas énormément, je crois. 13. Il va falloir peut-être en récupérer un peu plus. Je pense qu'on va devoir retourner au barrage pour en récupérer plus. Je sais que j'en avais laissé de côté. Là, c'est quoi? C'est 3 ferrailles. 3. Et là, c'est 5. 20. Donc c'est 8 ferrailles et 20 tissus. Et après, chaque ferraille, ça fait une pointe de flèche. Ok. Avec 10, on aurait 4 pointes de flèche et le couteau et le truc. Il nous en faudrait une vingtaine au moins. Merde. Il nous en faudrait au moins une vingtaine de ferrailles.
I would eat anything right now. Si on le faisait maintenant, notre péripétie. Genre comme ça, on a la ferraille qui est prête. Vous voyez ce que je veux dire? Si on le faisait maintenant. S'il fait pas assez vraiment chaud pour... pour aller pêcher. Là il fait quoi? Moins 16, on va se couvrir du vent, il fera moins 10, moins 9 peut-être. Donc ça sera pas assez, on pourra pas rester. Si on reste, on va avoir des gelures. Et je veux pas faire de feu non plus. Donc non. On va prendre des plumes. Ah, j'ai pas pris... Ouais, non, ça va, on a les tiges de recette. C'est pas grave. D'accord, merci pour les plumes. Ça fait plaisir. Moins froid maintenant, évidemment. Moins 9. Ça porte bonheur. Oh! I can't feel my feet. Cool. Qu'est-ce qu'on fait? On teste? Ça nous fatigue, ça. Je sais pas où ça mène. Ok, bien. Oh merde, on a une deuxième. I could eat a horse. Que fait-on? Oh la vache, je sens que je vais faire une erreur. Mais bon, on est aventurier ou on n'est pas, hein. Allez! Comme elle est bizarre là. D'accord. Oh putain, qu'est-ce que t'entends? Monte! Oh mon dieu! Vache quoi. J'ai pas le sac de couchage. On est fatigué maintenant. Il y a des lapins. Flingue, 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 niveau avancé.
Oh la vache, elle est complètement crevée. On est dans la merde. Je voudrais bien dessiner aussi. Ok, on rentre. Bon ben oui, ça c'était... Oui, 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 c'est pas mal, hein. Ce qu'on vient de faire. J'aurais bien voulu dessiner la carte aussi. Pour marquer un peu le territoire, mais... La prochaine fois. Si j'avais su, j'aurais pris le... J'aurais pris le sac de couchage. On va se péter une jambe. On est bon. C'est trop. Hein. On a récupéré donc un livre. Par contre, lui, c'est 25 heures, le livre. Mais c'est un livre utile. Parfait. C'est un livre utile parce que... oh, il y a un cerf là-bas. On va pouvoir le faire, je pense. C'est un livre sur les pistolets. Non, sur le fusil. Et pour bon prendre de l'expérience avec le fusil, il va falloir tirer. Et si vous n'avez pas de balles, vous pouvez pas tirer quoi. Est-ce que je veux dire ? Donc du coup, ben, c'est une bonne trouvaille. C'est une bonne trouvaille. Elle est complètement épuisée. Ça va tuer de faire ça. Ça, ça. Alors attendez, on a ça, ça c'est fini. Oh, ça fait chier parce qu'on va devoir dormir maintenant. Quoi. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne le sac de couchage plus souvent. Comme ça on peut se rester à l'extérieur, je crois. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Donc, un ouvrage bourré de conseils et les détails techniques pour s'améliorer au tir les cellules pour améliorer votre compétence avec le fusil. Donc, 25 heures, il y a écrit. Meilleure compétence arme à feu, de 10 points. Ouais, ça serait pas mal ça. Je pense qu'on va le garder du coup. Sinon, on a quoi d'autre? Seulement 4. Augmente l'arme à feu de 5 points. Seulement 4 heures. On pourrait peut-être lire celui-là en premier. Réédition d'un vieux manuel de tir du 19e siècle à l'attention des pieds. Attends, lisez l'ouvrage pour améliorer votre compétence. 5 points. On devrait pouvoir... prendre un niveau. Ce serait bien de passer niveau 2 au fusil. Qu'est-ce qu'on a à jeter encore? Est-ce qu'on est un peu lourd là? Non, on a 25 kilos. Bah désolé, là on n'a pas fait grand-chose en fait. On a beaucoup tourné en rond.
On n'a pas récupéré grand chose non plus. J'ai dit qu'on allait pêcher. Au final, on n'a pas pêché, mais alors du tout. Ouais, ça s'est pas vraiment déroulé comme on voulait. Enfin, après, c'est pas énormément grave, mais ça fait un peu chier. Je crois qu'on va lire le livre complètement. J'avais trop sommeil. T'es sérieux? Ça lui a... On n'a pas fait la deuxième heure. On était presque. Ça, c'est extrêmement relou, par contre. Ça, c'est extrêmement chiant. On n'a pas fait la deuxième heure. Putain. Oh, la vache. Bon, on va dormir. Ça va m'énerver. Donc, on a gaspillé une heure, en fait. En gros. Faudrait plus manger. On va manger ça. C'est pour ça que je voudrais aussi du poisson. Ça nous donnera un peu plus de choix pour manger. Le poisson, c'est un peu marrant d'avoir du poisson parce que c'est super aléatoire. Si vous trouvez des gros poissons, bah du coup, bah vous avez des genre des 1000 calories, des trucs comme ça. Donc vous les bouffez, vous êtes plein de calories et tout, c'est énorme. Mais des fois, vous avez des petits poissons, petits, genre 150 de calories, pas plus, des trucs comme ça. Extrêmement frustrant. Donc, c'est vrai que ça varie énormément. En tout cas, on va dormir et on se réveillera encore en pleine nuit. On ira voir si on pourra pêcher.